Allez, je vais jouer le voyant Irma. Je vous dis, dans moins de 30 secondes, vous aurez une surprise mémorable qui vous attend. En audio, évidemment, visuellement, si vous êtes dans le coin, proche des studios. Bah, nous allons vivre ça ensemble. Actuellement, c'était Florent Pagny. Et un jour, une femme sur Positif Radio. Et oui, c'était sur Positif Radio pour la première et dernière fois. 10, 9, 8, 7. C'est une nouvelle. 7h07, nouvelle ère. Cette radio, l'information locale régionale. Avec Sévio, bonjour Sévio. Bonjour Jean-Mi, bonjour à vous tous. À la une ce matin, une nouvelle radio vient d'apparaître sur les ondes du Béarn. Il s'agit bien sûr de cette radio. Les auditeurs qui nous écoutent doivent sûrement se poser plusieurs questions suite à ce changement. Et la question qui risque d'être le plus souvent posée, eh bien c'est quel est le nom de cette radio? Eh bien on leur répondra, le nom de cette radio c'est cette radio. Cette radio, eh bien c'est tout simplement le chiffre 7, comme les 7 merveilles du monde, les 7 péchés capitaux, les 7 nains ou encore les 7 doigts de la main. Et la nouvelle question de nos auditeurs, qui sont sûrement en train de compter leurs doigts, c'est pourquoi le chiffre 7? Eh bien on leur répondra que le 1, 2, 3, 4, 5 et 6 étaient déjà pris. Parmi les autres questions qui risquent d'être posées, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette nouvelle radio? Eh bien la réponse, la même couleur musicale qu'avant 7h07, toujours du sport, de l'actualité locale et pleine de nouveautés dès la rentrée. Auditrice, auditeur, bienvenue sur cette radio, la bonne radio. Merci beaucoup Monsieur Sévio, nous avons Thierry ici et puis Dame Karine. J'aurais dû présenter d'ailleurs Dame Karine avant. Merci. Voilà. Que d'émotion ce matin, en tout cas pour moi, j'ai les larmes. Voilà. c'est normal parce qu'il faut savoir qu'à la base... Dur. Karine était la créatrice de Positif Radio. Elle fait partie des trois personnes qui ont créé Positif Radio. Et donc, après de très très belles années sous le nom de Positif Radio, je suis vraiment ravie de pouvoir partager cette aventure avec vous tous aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai entendu personne applaudir, c'est normal? C'est normal, on attendait le moment. Ah voilà. Heureusement, voilà. Je vous l'ai demandé avant. Cette radio, flashback. Cette radio, au top des années 90. Un titre dont raffole notre directeur général, PDG de l'entreprise commerciale et non commerciale de cette radio, Serge. On va avoir un homonyme Sergio. Pour différencier les deux. À l'instant, c'était Paul Young et Zucchero avec Sunza Undona, With You a Woman. Voilà, ils ont mélangé les deux langues, ils ont bien raison. Donc nous allons prendre tout de suite l'ami Sergio. Bonjour Sergio, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Ah, bonjour. Salut Sergio. Comment allez-vous les amis? Eh bien écoute, nous on va très 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 bien. On est content de t'avoir sur les antennes de cette radio. Et moi je suis ravi de faire partie de l'équipe. Parce que mine de rien, tout à l'heure je me disais, mais c'est vrai que finalement la voix qu'il faut entendre le plus c'est la tienne. Sur cette radio, c'est la mienne. C'est ça, c'est ça. Tu vas accompagner nos auditeurs tout le long de la journée et de la nuit. Les auditeurs de cette radio. Voilà, et on voulait te faire un petit coucou et te présenter à nos auditeurs. Dire voilà, c'est Sergio, c'est notre ami qui est là. Écoutez, je suis donc la voix officielle de cette radio. Je serai ravi de vous accompagner tout au long de la journée et de la nuit. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut dormir et parler en même temps à la radio. Voilà, ça c'est pour ceux qui dorment debout, déjà, pour commencer. Ça, ouais. Et puis, moi je souhaite vraiment une longue vie à cette radio. J'ai entendu la présentation tout à l'heure de Sévio qui était formidable. Ah. Bravo. Moi je vais dire que c'est bien d'être créatif en ces jours compliqués, difficiles. Bravo à toute la mise en place. Bravo à...
toute l'équipe qui est là. Merci beaucoup et c'était pas gagné parce que. Ah mais ça je m'en doute. Ce matin à 6h c'était pas gagné. Je pense qu'on se bat plus quand c'est pas gagné que quand c'est gagné finalement. Oui, c'est ça. Et comme tu le sais Sergio, ça fait depuis très très longtemps qu'on en parle et qu'on prépare tout ça. Bonne vie, longue vie dans le Béarn et ailleurs, puisqu'on peut aussi vous écouter sur internet, hein, c'est ça qui est formidable. Dans le monde entier, on peut écouter cette radio. Eh ben écoute mon Sergio, on te remercie. C'était sympa. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Voilà. Ouais. Et il faut lui dire dans quelques instants, parce qu'on va l'entendre souvent, de toute façon, maintenant. À tout de suite, ouais. Bah, oui, c'est ça. Et au final, sans être présent, c'est Sergio qui a annoncé pour la première fois, c'est la première voix qui est passée. Exactement. Donc, sur cette radio. C'est absolument. Ça. Oui, j'ai dit cette radio, l'info locale et régionale, je crois que. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement ça. Et comme quoi, on a été pénible quand même. Exigeant. Non. Il faut juste se mettre au même diapason. Et puis, une fois qu'on l'a, le diapason, et ben, c'est formidable, quoi. Tout fonctionne, tout roule. Écoute, t'as été formidable, Sergio. On te remercie. Un grand merci à toi pour ton travail, et pour ton efficacité et ta rapidité. Et pour tout le travail à venir aussi. Et tout le travail qui t'attend encore. Il y en a une autre, à mon avis. Il n'y a pas de problème. Merci à tous et je vous souhaite vraiment longue vie et excellente journée. Merci Sergio. À très vite. Bon Serge, nous allons continuer gentiment en musique avec de préférence.